Ça va Florian? Ça va toi? Toujours malade? Ouais. Ok, bon on est parti tranquillement. Donc on a une date pour la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne. Allez vas-y. Ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, on va partir en marche avant. Bon, tu vas faire quoi de beau ce week-end? Dormir. Dormir, te reposer. Ouais. Tu racontes quoi de beau? T'as pas l'impression d'être un peu loin? Bah justement, c'est ce que je pensais, mais... Mais bah, je sais pas, ça me paraît presque, sinon j'ai l'impression d'être trop proche aussi. Ouais. Bah, alors, regarde, regarde. Je sais pas, est-ce que t'as l'impression qu'on est à notre place? Hein? Regarde, là, attends, tu me laisses tout? Je vais régler mon rétro, ce sera mieux. Là! La sortie, elle est où? Bah, la droite. D'accord. Allez, vas-y, je te laisse refaire. Mais t'es trop loin, hein, cherche pas. Ah ouais. Quand tu tends la jambe à fond pour pouvoir appuyer à peine à fond sur l'embrayage, ouais, là, t'es mieux. Ouais. Voilà. Ouais, la sortie, elle était où? Ouais, là-bas. Elle était derrière nous, à gauche, là. Ah ouais. Oh ça y est, il est parti, non, il n'est plus réveille, avec moi. Oh là là. Ok, on va refaire le tour. On va essayer de sortir par là où je voulais, mais en utilisant la bonne voie. On passe à droite là. Oui. Et voilà, on se dirige vers le stop. On contrôle quand même à droite. Voilà. C'était par rapport à ce qui pouvait arriver de la droite. Oh, regarde, attends, attends, attends. C'était pour, par rapport à ce qui pouvait arriver de là, quoi. Allez, vas-y. Et ce qu'on va faire, on va aller à droite. On se replace, on check la priorité. Voilà, on laisse la priorité. Et puis si on peut y aller, on y va. Du coup, tu vas faire quoi de beau après? Je sais pas du tout. Ton grand-père, il revient te chercher? Ouais. Et là, on fait quoi? Regarde, regarde ce qui se passe. Voilà. Évite de te mettre sur la bande cyclable, on est un peu comme lui quoi. Et on, là on est sur la ligne quoi. Ce qu'on va faire, on va aller à gauche au fond. Est-ce qu'on est bien placé là? La 3 là depuis le feu.
t'as donné quoi le rendez-vous avec l'avocat? C'est lundi. Ah, le rendez-vous il est lundi là? Donc tu vas pas encore lundi? On ira à gauche au giratoire. Pense à contrôler les deux. Moi je travaille pas lundi, s'il y a moyen on essaiera de faire 2 heures. C'est pas de faire une erreur ou ça c'est pas important. Ce qui compte c'est surtout d'en tenir compte et pas rester tu veux. Tu vois on sentait le moteur, il t'empêchait de ralentir plus et ça on veut pas. On veut que tu sois capable toujours, tu veux pas surtout. Tu dois toujours être capable de c'est toi qui décides l'allure à laquelle va la voiture. Pas la voiture. On ira à gauche. Bon, ça avance tes recherches d'apprentissage là? Je fais des demandes mais. Ouais. Pas tellement. T'as demandé où du coup? J'ai demandé à des concessionnaires. Voilà. Là, ici. J'ai demandé à des agents immobiliers aussi. Ouais. Enfin, des agences. Ouais. C'est bien ça. J'ai vu des petites boutiques dans Amboise. Ok, tu veux rester sur Amboise? Plus simple. T'as pas d'idée? Bon, après il y a pas mal de... Y a de quoi faire en Amboise. C'est quoi un BTS en quoi? En négociation et digitalisation de la relation client. On va tout droit. T'as demandé dans la grande distribution ou des trucs comme ça ou ça t'intéresse pas? Moi. Ouais, super. Voilà. Bon, en fait, ici, soit tu te places à droite et tu mets pas de clignotant, soit bah, si tu te places à gauche, tu mets un clignotant gauche. Mais bon, si tu te places à gauche, faut contrôler l'angle mort en sortie. Tu l'as fait? Ah oui, j'ai pas vu. Donc là on va se faire un touch and go au centre d'examen. Première heure on va se faire un mode chill. Et puis deuxième si tu veux on se fera un parcours examen. D'accord. On se fera un examen blanc je veux dire. Oh je suis KO. On va à droite. Je suis allé à la salle ce matin, j'aurais pas dû. J'étais déjà mort en me levant. J'ai eu match hier. On va faire demi-tour au giratoire. Bon, et comment on va Océane? Ah, bien. Un petit peu malade elle aussi. Ouais. Soit on y va, soit on n'y va pas, c'est à toi de voir. Les deux options sont bonnes, le seul truc c'est d'en prendre une. Bon, dans ce cas-là, les deux sont bonnes. Il
klaxonnes parce que t'es en train de. Tu démarres et tu ralentis. Alors forcément. Non, non, on fait demi-tour, moi j'ai dit. Voilà. Maintenant, elle se place mal de là où elle vient et puis elle accélère au moment où elle voit que tu démarres. On ira à droite. Mais le truc, c'est que tu démarres et puis tu dis ah, on va à gauche. Parce que là, je suis parti à droite. Et puis tu es en train de ralentir. Après, c'est pas dramatique. On fait demi-tour. Avec le clignotant, ça aurait été parfait. On va s'arrêter là. Hop. Prends mort. Prends mort. Chercher ta voix. Et on ira à droite. C'est quand les épreuves du bac là? Le bac on sait pas, mais le bac blanc c'est juste après les vacances. D'accord. On va se déporter. T'es en vacances là? Non. Ouais, c'est encore une semaine. À droite. Ah oui, c'est dans une semaine de vacances. Reste à droite. Ton allure avant de gérer le levier de vitesse, hein. D'accord.
père est resté dans le coin. Le père, je crois, il va aller chez. Chez Corinne, ouais. Ou Betty. Ouais, bah, les deux peut-être. Un peu tard, mais au moins ça a été géré. Et on va tout droit. On ira à gauche à la prochaine. Bah, tout droit pour le moment. Là,
gauche, non. Hein? On continue tout droit, non? Ouais. Elle a commencé les leçons avant le code. Ouais. Alors normalement on va l'avoir, je pense qu'est-ce qu'elle a fait du. Elle a fait pile poil le 35 sur 40. Du coup je pense qu'on d'accord. Bon c'est bien. On va s'arrêter un petit peu après la voiture grise. Faire un rangement en bataille en marche arrière dans la place qui se trouve à côté de la voiture grise. En gérant la sécurité, en prenant son temps, ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. T'es pas prêt d'être collé, mais je préfère ça que l'inverse. Les repères, je les compte. Ah, ok, je crois que c'est celui-là. Ouais. Et là, je vais être encore un peu loin, je trouve. Proche.
effet, on est un peu loin, on essaye de se replacer. Voilà, faut décaler la voiture d'un mètre à droite. Comment on peut faire? Bah oui. Ah, il va falloir le tourner vraiment vite, le volant. Ah non, c'est encore un peu con sur droit. Voilà. Déjà ta technique pour savoir soit tu le fais en avançant, soit il y a un tour et demi pour redresser les roues. Voilà, t'as fait qu'un tour. Est-ce qu'il est droit le volant? Voilà. On contrôle ce qui se passe autour. On s'arrête. On est reparti à droite. Regarde le miroir en face. Bon, tu vas comprendre pourquoi il t'a laissé passer. Je l'ai vu ralentir, j'ai compris tout de suite que... Bon, après c'est gentil. On peut laisser voir. Il fera un... Là, tant que le train n'est pas passé, on n'est pas prêt de passer, nous. Nous non plus. Elle conduit sur quoi, du coup, Océane? Je sais pas du tout. Tu sais pas, tu vas pas demander? T'es pas curieux? Non. Je vais juste demander comment ça s'est passé. Elle m'a dit que ça s'était bien passé. Bon, ben c'est cool. Elle a un peu peur, mais... C'est le début, je pense. T'as bien fait de mettre le point, marrant. Le train, il s'est arrêté à Notre-Dame, là. Je sais pas. Ah bah il passe à ce moment-là. Oh, vas-y, tu peux redémarrer. Beaucoup. Allez, vas-y.
sur quoi comme jeu en ce moment? Rien du tout. Rien? Je suis KO. T'es KO là depuis une semaine? C'est ça? Tu joues même pas, tu guides pas, tu. Bah tu fais quoi? Je dors. Va tout droit. Et puis après, plus de news quoi. Tu as envoyé un message toi? Non. Non? C'est tout le temps moi donc. Ah oui, d'accord. Ça sert à rien. Oui, si c'est à sens unique, c'est vrai. Direction tour pour le moment, d'accord. Bon, c'est pour ça, c'est, ce serait bien que tu trouves une alternance, que tu sois peinard au moins vis-à-vis de tout ça et que tu n'aies plus besoin de compter sur, sur qui que ce soit, même si bon, il y a des gens, tu sais, tu pourras toujours compter sur eux, mais au moins que tu n'aies pas l'impression de. T'as plus besoin d'être bah, d'être baladé quoi, c'est ça? Oui. Je me mets à ta place, t'inquiète pas. Je conçois l'idée bien pourrie.
c'est une idée fort judicieuse de pas mettre la 3. On va tout le rendre, hein. Ouais. Mais ouais, trouver une alternance là, ça va être important. Comme ça qu'au moins financièrement tu sois quasi autonome et que tu puisses te trouver ton chez toi, etc. Même si avec certitude Michel il te lâchera pas. Oui, c'est sûr. On ira à gauche. T'as fait les. T'as essayé les boutiques aux Atlantes? Non. C'est vrai que je fais pas beaucoup sur tour à part pour mon stage ou pour conduire. Ouais. Pas... Oui, donc tu cherches plus vers Amboise, quoi. Ouais. D'accord. On ira à droite. Et elle serait où? Il est où le lycée d'alternance? Bah, je sais pas encore. J'aimerais que ce soit sur tour. Bah, si ton lycée d'alternance il est sur Tours, économiquement c'est plus intéressant d'habiter sur Tours. Hein. Ouais, mais c'est que j'ai pas l'occasion vraiment d'y aller pour faire des. Pour savoir si je peux aller chercher une alternance, quoi. Bah, tu sais, tu fais un truc simple. Hein. T'as deux solutions. Soit t'envoies des CV avec des lettres de motivation partout. Une sur 10, t'auras une réponse. Tu vois. Soit ben tu t'habilles le plus classe possible et puis ben, tu te déplaces de boutique en boutique avec une palanquée de CV et puis tu te présentes et t'as pas 50 solutions. Et puis ben, quand tu veux faire de la vente, je pense que se pointer et puis être capable de se présenter, de... Reste vraiment à droite. Il y a une voiture qui est... Alors, elle a ralenti, je pense qu'elle a compris que t'étais pas dans l'option de... Mais je pense que l'option de te dire, bah écoute, hein, samedi prochain, le feu il est rouge. Elle commence à freiner, voilà. Samedi prochain, j'imprime 50 CV et puis je dépose tous mes CV et je vais me présenter et puis... Et puis tu fais une liste des boutiques dans lesquelles tu as envie d'aller. Hein. Tu essayes de te renseigner un peu avec, dessus. Et tu dis ce que tu penses de la boutique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pourquoi tu as envie de travailler là-bas et pourquoi il faut qu'ils t'embauchent? Justement, la semaine prochaine, je vais passer les entretiens d'embauche. Ah, au lycée. Ouais. Au lycée? Des vrais ou des fictifs? Fictif, mais ouais. C'est pour nous préparer. Ouais, ok. T'as un costume? Ouais. Ouais. Donc samedi prochain, costume, chaussures, rasé, présenté, coiffé, souriant et 50 CV et tu déposes les 50. Bon, après le costume, si tu veux, tu vas courir au footlocker. C'est peut-être pas la peine. On va tout droit. Voilà, montrer que.
motivé et puis voilà. Ça me plaît. Bah le pied au-dessus du frein. On va tout droit. Ah, c'est bien géré. Ce tube pour rien, c'est une plaque d'égout qui a été enfoncée par les poids lourds, donc forcément quand nous on roule dessus on le sent qu'elle est qu'elle a été enfoncée. Du coup concessionnaire. Ouais, ou agence immo. Hein? Ou alors des agences dans l'immobilier. Et bah. Fais une liste des concessionnaires dans lesquels tu as envie d'aller, pour lesquels tu as envie de travailler. On ira à gauche. Bien ton changement de voie. Et puis une liste des agences immobilières qu'il y a dans le coin. T'imprimes autant de CV que CV nécessaire et puis bah, tu te pointes à l'arrache. Hein. Faut que tu aies des réponses à donner hein, quand tu. Doucement. Faut que tu aies des réponses à donner quand tu vas te pointer. Vous comptez être dans quelle école? Je sais pas. J'aimerais surtout. Tu vas trop vite. Ah bah oui. Je sais pas, je voudrais être sur tour, c'est. C'est une réponse pourrie ça. Donc, va falloir que tu aies des réponses à donner et que tu connaisses le sujet sur le bout des doigts. Parce que. On ira à gauche. Même quelqu'un en alternance, c'est bien quand tu as quelqu'un qui a des réponses à te donner et qui n'hésite pas dans ses réponses. Doucement. Du coup tu prépares ça dans la semaine. Parce que c'est vrai que t'as des gens, ils ont. Disons que s'ils trouvent pas, c'est pas grave. Hein? Mais t'en fais pas partie. Mais bref. J'oublie que je t'en trompe.
Ouais, mais c'est bien, t'as corrigé tout seul. Bon, t'as continué un peu la salle. Ouais, pas la salle, mais le sport. T'as fait quoi? La musculation. Ouais, c'est avec le lycée en fait. Ouais. Et du coup, vous faites quoi? Tout plein de trucs. Ouais. Oh, tu vas où tu veux, mais. J'ai un peu mal. Ouais, c'est pas grave, contrôle du bon côté avant de sortir. Vu que là il n'y a qu'une voie en entrée, en soi on te le reprochera moins que si on avait deux. Parce que si on a deux et que tu es placé voie de droite et que tu rentres voie de gauche, là on va vraiment te le reprocher. Tu vois. Mais là comme il n'y a qu'une entrée, c'est pas trop gênant. Ouais, du coup vous avez fait quoi avec le lycée? C'est le prof de sport, il nous met plein de petits exercices. Ouais. Enfin, on décide si on choisit la force, le volume ou l'endurance. Ouais. Et en fonction de ce qu'on choisit, on fait plus ou moins de séries avec plus ou moins de poids. D'accord, ok. Bon, c'est bien. C'est surtout un tas d'exercices. Et du coup, vous le faites une fois par semaine? Ouais. C'est dans les cours de sport ou Dans les cours de sport. Ouais. Bon, c'est bien. Ou alors je le fais mercredi aussi à l'AS. Ouais. Et c'est quoi, association sportive? Ouais, du lycée. Je fais futsal et après soit je pars en musculation, soit je pars dormir. D'accord. Ou je pars dormir. Faut que tu arrêtes de dormir. Il va se pointer pour demander son alternance. Ils vont dire, c'est quoi vos passions dans la vie? Dormir. Là, cette semaine, je suis KO. Le papy m'a emmené, je me suis endormi direct dans la voiture. Ouais. Ouais. Il manque quoi là pour sortir? Clignotant. Ouais, on est d'accord. Au moins, c'est une bonne analyse. En tout cas, c'est pas mal. La conduite, elle est, c'est fluide. C'est, il y a des oublis, mais bon, je dirais que sur une heure complète de conduite, c'est le bilan, il est très positif. La conduite, elle est plutôt propre. Il y a des moments où c'est dynamique, sans que ça ne le soit trop, sauf sur l'arrivée de la priorité à droite. Mais voilà. Moi, j'ai réussi à te réveiller au moins. C'est déjà ça. Allez, check.